Bonsoir à toutes et à tous, c'est John. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous devenu régulier tous les soirs après minuit, 1h. On se retrouve pour faire une partie de Marvel Spider-Man sur PlayStation 4. C'est le nouveau titre d'Insomniac, enfin pas si nouveau que ça, enfin nouveau. Ça fait que 3 semaines qu'il est sorti, mais on tourne dessus tous les soirs sur Renegade, c'est plutôt cool. Et là, je prends un super plaisir à mettre la musique à fond dans les oreilles avec le casque. Le thème d'introduction est juste génial. Alors, on va se retrouver, allez, peut-être pour une petite heure ou deux. C'est vrai que je suis assez claqué. Il y en a eu un bon jeu, un très bon jeu avec Anto juste avant sur Final Fantasy XIV Stormblood. Et on nous a montré un petit peu toutes les nouveautés qu'il pouvait y avoir. Avec la mise à jour 4.04, ça s'appelle Violette, quelque chose, je ne me rappelle plus. Salut Charlotte, bonsoir à toi, bienvenue. Hop, là, je retrouve plus le gameplay. Il est là, c'est parti. On est à 67%. On est level 36. On a pas mal avancé. Je sais plus combien d'heures de jeu on a fait dessus exactement. Je crois que c'est pas possible de voir le truc. Ou peut-être dans les sauvegardes de la console. Mais on a bien passé la trentaine d'heures de jeu. Et aussi, j'ai plein de nouvelles combinaisons. Alors, on en était où dans l'aventure? C'était juste hier soir. Je m'en souviens plus très bien. Où est-ce que j'ai lâché le truc? Alors, voilà. Alors, je vois les chats. Vous pouvez me parler à la fois sur Twitch ou sinon sur Facebook. Je vois les deux retours qui me permettront de communiquer avec vous. Comment ça va, Charlotte? Canal et Hudson. Je dois retrouver cette berline noire. Alors, est-ce que j'ai des missions annexes en cours ou est-ce que je dois juste partir sur la mission principale? Tout ce qui me reste en mission annexe, c'est surtout les crimes malfrats et crimes démons, un peu chaque quartier, et puis il reste encore des scènes verrouillées. Alors peut-être qu'il y a des scènes qui se déverrouillent après la fin du jeu, je ne sais pas, on va voir. On va aller voir cette mission principale qui est juste derrière. Alors avant de tout ça, qu'est-ce que j'avais comme tenue? Ah oui, il y a cette tenue-là qui a l'air sympa. Je peux pas la débloquer encore, il me faut pas mal de jetons du crime. Mais c'est juste dingue, c'est Ghost Spider. C'est enfin, elle est assez ouf comme tenue. Il y a cette tenue-là aussi. C'est Spider Armure MK4. Mais il faut plein de jetons de base. Ok, bon, on va voir ce que c'est pour l'instant. Celle-là aussi, mais j'ai pas eu le temps de la débloquer, elle est pas mal. Réduit la gravité une fois dans les airs, ça va être pas mal, sa gravité dans les airs. En fait, c'est pas mal parce que chaque tenue, en fait, eh ben, tout simplement, renouvelle le jeu et on aborde le jeu d'une manière différente. Ouais, la journée était cool, aussi fatigué, pas mal de taf à faire, moi, principalement sur le site, pour Renegades et pour pouvoir lancer ça très prochainement. Comme je le disais dans le live de ce soir, dans le Indie Live, le Indie Hop, ce bâtiment est mal construit, il est mal texturé par contre. Ça me perturbe ça. Ok, ça se voit pas de loin, mais sur une tour aussi grande que celle du World Trade Center, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus soigné. Bref, c'est pas grave. Donc ouais, grosse journée, sympa, pas mal de trucs. Comme je disais dans le live Indie Hop, on devrait pouvoir lancer le site entre le 26 et le 27. C'est toujours une question de date. C'est des dates que j'apprécie, 26 et 27. Si c'est plus simple pour vous d'arrêter toute communication. Il n'en est pas question. La ville a plus que jamais besoin de nous deux. Sable peut bien aller se faire voir. J'en ai vu d'autres. C'est pour ça que vous êtes... Youh ! Voilà, je voulais un peu taper ce délire là. Et j'ai un peu, sans faire exprès, utilisé le pouvoir de cette tenue. Alors, ouais, j'ai vu toutes les tenues sur Imgur. Pas mal de classes, ouais. Alors moi je me garde la surprise, je veux pas savoir tout ce qu'il y a comme tenue, à chaque fois c'est une nouvelle surprise. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'elles sont hyper classes, elles sont hyper bien soignées et ça fait vraiment partie intégrante des mécaniques du jeu. Donc c'est très bien parce que ça renouvelle quasiment à chaque live, on fait une tenue différente. Là j'aimerais bien la faire Ghost Spider. Mais il faudrait que je récupère beaucoup plus de jetons de crime pour pouvoir la faire. En une heure ça va être compliqué, on fera peut-être plus d'une heure, mais c'est vrai que je commence un peu à fatiguer de toutes ces nuits all night long, presque all night long. Alors où est-ce qu'on va? C'est quoi ce musée là?
Ce musée, il est pas là normalement. Non, il est pas là, donc c'est pas le musée que je connais. Je pensais que c'était le MoMA, mais non, c'est pas lui. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Advocate de Mary Jane Watson, laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? Ouais, qu'est-ce que tu fabriques? Ah, grande centrale, je vous en parlais. J'en parlais dans un autre live. Vous voyez, c'est un peu particulier, grande centrale. Enfin, c'est une gare qui est donc dans un bâtiment. Je crois qu'on voit très peu les trains partir. Mais grande centrale a une particularité bien étrange. Alors, enfin, je voulais juste attendre que elle finisse de parler. Est-ce qu'on va pouvoir aller tout au bout de grande centrale sans être interrompu par un truc scripté ou pas? Alors vous voyez en fait, Obscorp, bon, ils mettent des ordinateurs comme ça, un petit peu en à ciel ouvert. En fait, il y a un truc qui m'avait un peu choqué à Grande Centrale la première fois que j'y suis allé. J'y suis allé alors que les Apple Store existaient déjà. C'est ici, à l'endroit où je vais vous emmener. Ah, on peut pas y aller. Mais là, au-dessus, en fait, eh ben, il y a un Apple Store, mais comme ça. Juste avec les belles tables des Apple Store, comme on les connaît. Mais juste, ouais, pas à ciel ouvert, mais... Mais pas dans un magasin, pas fermé. C'est comme si, par exemple, vous alliez pour ceux qui sont en Île-de-France à la gare Saint-Lazare et qu'en plein milieu de la gare Saint-Lazare, et ben il y a plein d'ordinateurs, plein d'iPhone et tout ça à la disposition de tout le monde, bien sûr, bien accroché sur les tables, mais ça serait quasiment impensable en France. Et ben là, ben, moi, j'étais pas préparé, très sincèrement, j'étais pas préparé quand j'ai vu ça aux États-Unis. Je fais ah ouais, là on voit, ils ont les moyens, les mecs, mais et voilà. Ça c'est pas mal. Le premier téléphone absolument sans fil, ça va être super sympa. Enfin sans fil, c'est-à-dire sans recharge. Après j'avoue, niveau magnétisme et tout chez soi, c'est pas fifou. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille? Oh là. Police, aide-moi. Non. Voilà. Bon bah mauvaise ambiance. Bah merci à tous ceux qui ont liké le live déjà. Kimo, JoeDB et Charlotte, merci à vous. Cabinet du maire Osborne. Je voudrais parler à monsieur Osborne. Qui le demande? La personne qui recherche. Grosse prise centrale, grosse prise d'otage à la grande centrale. Ça va revenir cher en téléphone, ça, à chaque fois de péter un téléphone. Surtout que le mec, il a un peu le que. Il se paye quand même des téléphones haut de gamme. Hein.
Alors que faire? On attend en plein milieu de la prise d'otage. Toi, t'es dans tous les bons plans, hein. Alors est-ce qu'on va le voir rentrer dans la gare ou pas? Il y a des drones qui montent la garde. Je crois qu'ils attendent à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien. Ah, ça serait sympa ça de d'être l'indicateur d'intérieur. Vraiment toutes les missions principales sont en tout cas très intéressantes et se renouvellent à chaque fois. Ça, c'est très plaisant. Stylé. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'on peut jouer avec vraiment tout? Genre trouver d'autres éléments? Non, il n'y a que ça au milieu. Et alors comment je vais faire? Est-ce que je peux pas me lever du coup hein? Si, non, non, si. Ah ok, je suis obligé de passer par un endroit. Personne m'a vu, c'est pas grave. On va tous se détendre. Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment? D'abord, lâchez-le. Mais il a contacté Osborne directement, donc du coup on s'en fout un peu de ça. Il va venir forcément. Ah du coup en fait ça m'emmène vraiment vers un tout autre objectif que la quête de base. En tout cas la reconstitution de Grande Centrale est très très bien faite. D'accord. Je pense qu'elle a l'air un peu. Genre, elle est en mode hyper action et le fight. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Quel est mon objectif dans tout ça? Bah voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est marrant. Alors. Vous voyez, là, en fait, il y a des. Des spots avec des tables et des téléphones, c'est exactement pareil. Comment c'est à Grande Centrale actuellement? C'est en fait un spot Apple et c'est un Apple Store, mais complètement à découvert. C'est terrible. Ah c'est terrible cette approche de pouvoir en fait tout piéger et dire à Spider-Man quoi faire. Ouais, shoot dans les trucs. Je veux juste voir où ça mène en fait. Tu peux essayer de séparer ce groupe ? Ok, je vais essayer de les séparer. Ah j'ai pas le. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ?
ça n'a pas marché. Plus là alors. Oh merde. J'ai pas vu qu'il y en avait un qui revenait ici. Ah le... Oh merde. Lui il a fait un tour complet mais alors... Ok, bien ouais-je. Ah heureusement que je m'en suis aperçu parce que sinon... Pas vraiment. Ça veut dire un petit peu oui et un petit peu non. C'est terrible. C'est vrai qu'en fait je regarde pas où est-ce qu'il a, où est-ce qu'il va, mais donc du coup il est où là? Bon il s'est déplacé. Non non non. C'est intéressant. C'est intéressant de voir. En plus, en fait, avec MJ, j'ai pas la vision du Spider-Man, donc je sais pas où ils sont planqués. Il va falloir que je trouve ça par moi-même. Et ça rajoute vraiment du super bon suspense à tout ça. Alors. Allez, j'en ai beaucoup de ça ou pas? Super intéressant, où est-ce que tu es Spider-Man? Hop là! Pas eu plus d'armes. Disparition. Bon, je vais avoir 40 000 jetons, c'est pas trop grave, mais bon. Apparemment, je peux pas l'atteindre là. Est-ce que c'est... pourquoi si je l'atteins là? Ok. Bon bah alors du coup. Et c'est super bien parce qu'on peut vraiment servir de tout l'environnement pour faire diversion. Alors là, est-ce qu'on peut le choper lui? C'est tendu, hop là. C'est vrai. Bon, il se déplace un peu rapidement, hein. Bien sûr, ça c'est pas hyper réalistique, mais c'est pas grave. Lui là-bas, il voit pas. Il voit pas qu'il y a une gare vide et tout. Ouais, c'est un peu easy, hein. C'est un peu trop facile, mais bon. Ça rajoute un peu de difficulté, ouais. De pas avoir le Spider-Sense, j'imagine. Non, alors là, celui-là à côté, ça l'a pas fait tilter du tout. Le mec, il est complètement endormi. Aucune réaction. Hein. Est-ce que je vais pouvoir, est-ce que ça va pouvoir le... Je vais voir en fait si je peux tous les capturer en fait.
Ah, il est vu par le mec qui est derrière. Non. Non. Ah, mais je veux voir en fait si c'est vraiment un... Ouais, de toute façon, j'en ai 40 000, des trucs comme ça. Ça fait un bruit de ouf dans la gare, hein, puisqu'il y a un silence de... Pas mal, mais bon. Tout le monde s'en fout. Oui, non, mais je sais que je pourrais aller à... Rien à foutre. Donc, est-ce que c'est scripté? Je peux pas en capturer d'autres. Moi, je me disais, je pourrais tous les capturer. Peut-être que j'avais un succès, un truc dans le genre. Non. Pas malin ça, on se doutait que... À chaque fois, dans le compte, c'est 2 minutes. Ah, je crois que j'ai 2 minutes vraiment affichées. Détourne leur attention, je m'occupe du souffle du diable. Non. Ça me rappelle un jeu qui s'appelait je sais plus quoi. Il faut désamorcer une bombe et c'est en VR et c'est super bien fait. Parce que il y en a un. Ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Shut up and let the bomb. Je sais plus. Oh, comment ça s'appelle ce jeu-là? C'est un jeu en VR. Et en gros, en fait, quelqu'un a un casque, il voit une bombe, il va décrire à la personne qu'est-ce qu'il voit, et la personne va rechercher dans un livre et devoir trouver la bombe. Je vais juste trouver ce que c'est super bien, franchement. Pour moi, c'est un des rares et seuls bons jeux qui prend vraiment en compte les caractéristiques, les mécaniques du VR. Alors, c'est quoi? Est-ce que j'ai retrouvé? Non, c'est un jeu VR, ça s'appelle Shut Up and Don't Let the Bomb Explode, ou quelque chose comme ça. Ah voilà, Keep Talking and Nobody Explode, c'est ça en fait. Le nom du jeu. Donc voilà, il n'y avait pas Shut Up, il y avait surtout l'inverse, c'était continue de parler et que personne n'explose. Ok, et on débranche les fils, mais comment? Je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. Retirer les fils de la batterie. Bah ouais, mais... Quelle pagaille. Je suis juste... Il y a combien de temps la batterie là? Ah oui, je veux bien débrancher les fils, mais quel fil? Comment je le fais? Je comprends, mais rien du tout. Là, j'ai beau passer mon curseur et ça fait absolument rien. Mais attends, il y a quel moment il y a un truc qui s'affiche quelque part. Regardez, je dépasse mon curseur partout. Là par contre. Ah, ok, ça va être là-dedans, non? Bah ouais, ok. Je vois absolument pas ce qu'il faut faire. Vraiment? Ah ok. D'accord. L'attaque complète toute pourrie. Mais non, mais j'ai pas compris. À quel moment il me disait... Enfin, partout où je tournais, je voyais pas comment débrancher ces foutus câbles de la batterie. Donc voilà quoi. Bon, la personne me grille. Alors, tout le monde, comme par hasard, va voir dans les sens inverse. Tirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté et après tu pourras les débrancher. Ok.
Non mais je voulais voir si c'était pareil que tout à l'heure. Donc on va voir tout à l'heure, c'était le premier. Ouais, c'est une façon de trouver comment on débranche les fils de la batterie. Alors, on retourne. Fait n'importe quoi. J'avoue, c'est une technique. Je me disais, ouais, allez, allons-y, faisons-le comme ça. J'avais pas envie de trop me creuser la tête et je me suis dit, allons-y. Ok, cool. Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt? Et tout le monde, hein, tous les ennemis sont partis aux trois, aux quatre coins du truc. Ok, c'est cool. Essaye de rester discret. Ça marche. Oui, dans discret, il y a discret. Ce qui permettait de rester discret. Là, je l'ai très mal joué. Allons, c'est bon, ben ouais. Non, on va le faire au dernier point de contrôle. Moi, je veux le faire en totale infiltration. C'est comme ça que je veux jouer au jeu. Ah, depuis que j'ai su comment gérer ça. Okay, je vais libérer. Donc, déjà, on va scanner. Ça marche. Allez, hop. Hop là. Alors on peut en accrocher qu'un seul par perchoir. Ok, là, il n'y en a pas. Lui, je peux l'accrocher comme ça. Où est du monde? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur, sur Facebook. C'est Renegades, on est en live sur... Oh oui, il y a les drones par contre, là il faut que je fasse gaffe. Sur Marvel Spider-Man, on continue le jeu, on est exactement à... Oh, je sais pas la carte est indisponible, mais je crois à 67%, quelque chose comme ça. Faire ça, mais alors sans casser à aucun moment l'écran plat. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça fait mal de l'admettre, mais je préfère écouter. Oula, ouais, ça fait mal de l'admettre. C'est pas facile à admettre. Ça, j'avoue. Oh merde. On va rester prudent, on va retourner en arrière. Ouais, chaud, je l'ai pas vu venir. Ouais, je l'ai pas vu venir moi-même. Là, je me suis fait avoir, mais comme un bleu. Désolé. Alors, pourtant, c'était bien parti, hein, mais là, j'ai fait vraiment de la merde. Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Alors là, si ça baigne jusque-là, je vais pouvoir lui faire tomber l'écran dessus, ça sera drôle. Voilà, bim, plus d'écran. Ils sont tous revenus, hein. Je dois faire attention ou ils vont s'en prendre en otage.
Allez hop. Hein. Éviter de passer toute la nuit non plus. Hein. Hop là, où sont les autres? Allez, vas-y, approche-toi, approche-toi. Pourquoi Martin y tient absolument à terroriser New York? Pas grave, on va utiliser cette technique là. Parce qu'il est fou! Vous êtes fou? Oh oui! Il y a les drones derrière, mais c'est vraiment la limite proche des drones où je dois me planquer. Ok, on retourne là-bas. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préfère qu'on s'aide lui. C'est un peu chiant. Oh, joli! Joli, joli, joli de passer au travers du truc comme ça. Par contre, que faire? On va attendre. Allez, go, on va aller là. Est-ce qu'il y a des ennemis? Allez. Ah, toujours, ces plans sont magnifiques, hein. Vraiment. Ils sont super bien pensés. Ok. Non, je vais pas aller m'approcher comme ça. Allez, rapproche-toi. Rapproche-toi que je puisse te choper sans que le drone puisse me voir. Allez, allez. Viens, viens, voilà. Viens, wesh. Alors là, ils sont en train de tous arriver en bas. Non, si je vais là-bas, ils vont me voir. Oh, non, oh non. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu joues n'importe comment, dis-moi. Ok. Il y en avait un là. J'ai même pas regardé si c'était sans danger. Je me suis dit, il est là, il est tout seul, c'est bon, je le chope. Mais j'étais... Il y a le drone qui est là, mais je sais pas en fait si... Quel est le plan du drone? Eh ben il est beau ce lustre. Je sais pas du tout comment fonctionnent les drones, donc du coup je sais pas s'ils me voient ou pas. Quelle est le... La possibilité qu'ils me voient, c'est ça. Allez, viens, viens, rapproche-toi. Rapproche-toi. Voilà. Bim. Quelle collection. Raté, non, j'ai voulu être trop près, j'ai raté mon coup, ah, c'est dommage. Non, je veux le faire en infiltration, c'est vrai que j'aurais pu foncer dans le tas et fighter tout le monde, mais non. Non, bah c'est pas grave, on repart à zéro, mais je veux vraiment le faire en mode infiltration. J'ai même pas regardé s'il y avait le truc ou pas, allez hop, on repart. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook, bienvenue, c'est John. The Cowboy sur Renegades. On joue à Marvel Spider-Man. On essaye de faire le tour en infiltration sans déranger personne. Ni vu, ni connu. Bim. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à partager ou donner votre avis. Même si vous n'aimez pas, par exemple, c'est aussi utile. Tac, tac. On va partir là. Ah oui, c'est... Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne.
toi tu pars là-bas. Et toi t'es là. Je peux te choper. Je comprends pas l'utilité des drones, mais bon. Pour l'instant j'arrive à me démerder sans. Pas que je tombe. Je veux rejoindre. Je sais pas où je peux rejoindre là. Est-ce que je peux. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre. On va aller, on va retourner là-bas, hop là. Personne ne lève jamais la tête pour dire tiens, c'est bizarre, il manque tout le monde et puis tiens, ils sont pas tous attachés en haut. Allez, ce coin il est nickel. Là, je crois qu'il y a quelqu'un, on va attendre qu'il remonte. Allez, remonte. Le mec vient juste de disparaître derrière lui, mais même juste le mouvement, l'air, tout ça. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Hop là, on va retourner là. Il n'y a personne en dessous. Non, non, il va remonter, ça sert à rien de prendre des risques comme ça. Je me suis dit, je vais descendre, je vais l'achever, mais là, il va remonter, il va être à proximité, voilà, hop là. Et on va repasser à l'intérieur, c'était joli. You. Voilà. Et hop là. J'en neutralise encore un ou deux et vous pourriez aller sans danger. Dépêche. Ouais, on passe par là. Ouais, je suis un peu... c'est vrai que j'y vais un peu vite là. Je prends un peu plus de risques que tout à l'heure. Bon là j'en ai déjà accroché un, je pourrais pas le reprendre. Bah vous êtes nombreux, waouh, vous êtes nombreux, je sais pas où j'étais partagé, mais en tout cas c'est super cool. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis, à commenter. Et si vous aimez ce que je fais, si vous aimez pas ce que je fais, bah mettez un grrr. Juste pour dire, bah voilà, arrête mec, c'est n'importe quoi. Alors hop là. Ah ouais. Mais on va pas y aller. Moi je vais rester quand même un peu prudent. Ou sinon il va passer devant là. Et s'il passe devant mais suffisamment près, je peux le faire tomber le truc sur lui, genre comme ça. Ok. Bon, je pensais que j'étais peut-être besoin de cleaner toute la zone. Ah non, mais là on va être obligé de se fighter. Tiens. Alors, enfin, on a un peu de combat. Oh, violence du truc. Oh, par contre, le gros... Il est balèze. Allez, non, vas-y, c'est le moment. Non, vas-y. Faut que lui, je le neutralise au plus vite. Oula, 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 oula. Eh ouais, c'était chaud. Oh, je suis pas mort. Ça, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va être compliqué. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pu neutraliser le gros. Ah mince, ah ça s'est joué de peu à chaque fois, vraiment de peu. Ah je suis déçu, je pensais que je pouvais le faire. Je suis déçu. D'accord, ça s'est raté. Alors on va essayer d'être un petit peu plus smart. Hop là.
MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Hé, hey, Peter. Ouais? Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'après. MJ a une langue pour quelqu'un, j'aimerais bien okay. sa place. Là, ok, c'est l'heure du point culture. Saviez-vous que Grande Centrale possédait le plus grand sous-sol de New York? Oh mince. Ah non, ça je savais pas. C'est fou, hein? On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. C'est pas ce que je voulais faire. Ah bah oui, à qui du coup? On n'en fait plus des comme ça. C'est que New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Enfin bref. Je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain. Mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Allez hop, t'es où? T'es là-bas? Ok. T'es pas le dernier. T'es pas le dernier, il y en a d'autres. Je les vois pas, ils arrivent. Il y a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. Il est où? Ok, ils sont là-haut. Ok, il était terminé. Il y a un petit finish comme ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a encore du monde? Allez, venez les mecs. Ok, Lee va s'enfuir par là. Ah, je sens la bonne cinématique commencer. Yeah. Un bon petit combat dans la trame. Dans la rame, pardon. Oh, ça va pas être simple ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre ça. Je me dis que... Peut-être que je peux faire le passer dans l'autre rame, non? Ouais, je me doutais. Oh, ça va devenir un peu plus compliqué. Il a ses hommes de main avec lui. Mais oui, mais pourquoi? D'accord, il a récupéré toute la puissance auprès de ses hommes de main. Eh bien, allons-y. En tout cas, ce combat-là, dans la rame... Oh, d'accord. Ok, d'accord. Oh, sympa. Ah, oui, il faut choper vraiment le bon réflexe. La rame va faire la gueule. Allez. Je dois faire juste avant qu'il la récupère. Ah non, là. Ah, tant pis. Tant pis pour la concentration. Ah, c'est vraiment du réflexe. Vous êtes malade, je peux vous aider, Martin. Oh, c'est joli tout ça. Ça, c'est ouf. Ça, c'est bon. Là, on se croit vraiment dans un film d'Spider-Man. Tout en plan séquence. Ah, il va falloir que je retienne maintenant. Là, ça va être un peu de tout. Ah, je pensais que je pouvais utiliser la prendre sans concentration, mais c'était pas une bonne idée. Aïe. Aïe. Mais c'est bas. Rien ne peut me faire mal. Plus maintenant.
Oh, c'est vraiment spectaculaire ce combat. Oula, il a fait fusion avec le tram. Et encore, je pense pas qu'on soit au combat de fin là. Pas de frein ? Pas de problème. Ah, ça, tu l'as fait plus d'une fois, Spider-Man. Je pense que ça reprend plusieurs clins d'œil à plusieurs films, parce qu'on a vu l'hélicoptère. Ouais, la dernière fois ça avait marché, effectivement. Ouais, ouais. Oh, le train qui passe, mais par-dessus le sol comme ça. Easy peasy, sans problème. C'est quand même un peu démentiel. Yannick, ce jeu il est vraiment excellent et terrible. Je kiffe, j'espère qu'Insomniac Games en fera une suite. Ouais, je pense franchement qu'Insomniac Games fera une suite parce que le jeu il bat tous les records. Au Japon, il est en rupture de stock. En Europe aussi. En Angleterre, là, cette semaine, il a battu le record de God of War. Donc c'est tout simplement énorme ce qui se passe actuellement avec le jeu. Et c'est énorme aussi avec le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook. Merci à vous tous. Je suis très content de pouvoir vivre cette scène, énorme scène avec vous. C'est super cool. Alors, est-ce que c'est la fin? Non. De toute façon, je l'ai pas vu venir la fin. Je pense pas que ce soit quand même la fin. Mais ouais, vraiment, c'est un jeu énorme qui vraiment bat tous les records. Je voulais dire, en Angleterre, ça a battu le record de God of War, qui était le précédent jeu le plus vendu sur PlayStation. Et là, c'est pour l'instant, c'est le jeu le plus vendu de toute l'histoire de la PlayStation. Dans la période de lancement. Je parle même de la période de lancement. Ça pourrait peut-être ensuite se restreindre un petit peu. Pas encore prêt à parler. Les textos, ça compte pas. Non, c'est pas ça. Ah, le mec il est en stress, on a tous connu ça, ce moment de stress. Tu peux être le plus des super héros que voilà, tu te balades en ville. Et là t'es trop heureux, bim. L'ascenseur émotionnel, le yo-yo. T'appelle demain. Là, c'est le moment cool. Peut-être. C'est le moment qui va te remettre. Mais toute ta journée jusqu'à temps le lendemain qu'elle t'appelle. Mais bim, t'es pas bien, mec. T'es pas bien. Ça, on est tous passés par là. Mec ou meuf, hein, on est tous passés par là. Vous avez réussi. Lee est en route pour le raft. Ça appelle le souffle du diable en main. Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Je vous fais la version longue? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse. C'est pas fini, hein, pour autant. On a pas eu le crédit, tout ça. J'avais besoin de l'entendre. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Moi, je pense que c'est loin d'être fini. Et je pense que déjà... Je suis pas occupé. Sûrement. Explorer la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Tintintintin. Alors il y a quelques nouveaux likes, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à Mar, merci à Fidel, toujours là au poste, ça fait toujours super plaisir de te voir. Merci à Ahmed, merci à Kimo, merci à Carlos, merci à Youn, merci à Teddy, merci à Joe, merci à Charlotte. Alors il y en a ceux qui n'ont pas encore liké la page, parce qu'il y a de ceux qui nous like et qui font... je perds mes mots, mais qui like la publication, je vous envoie une invitation, c'est pas du spam. Si vous avez aimé ce live, et ben sachez qu'il y en a plein d'autres sur Renegade. Tous les soirs à partir de 21h, on a des lives, des émissions, du stream, des let's play, et même dans la journée, surtout le week-end, avec on a eu Dragon Quest 11, on a eu Shadow of the Tomb Raider, on a Spider-Man là qu'on fait ensemble du début à la fin. Donc voilà, je vous invite à liker et à vous abonner à la page Renegades pour suivre l'ensemble de notre actualité et tous les streams du collectif.
Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Et on va monter là-haut, tout en haut en fait, ce que je veux dire. Alors, on a des nouvelles compétences parce qu'on est passé level 38. Super. Alors là, ça nécessite 3 points. Là, c'est les attaques génèrent de la concentration plus rapidement lorsque votre santé est inférieure à 50%. Ce qui arrive quasiment tout le temps dans le jeu. Et comme c'est le seul avec un point, là, sinon, c'est quoi? Dans les airs pour attirer vos ennemis et vos combats aériens plus facilement. Non, bon, on va utiliser ça. C'est le mode Super Saiyan. Ça a tout l'air, en fait. Comment c'est présenté? Il y a encore des gens qui ont liké. Ben, merci à vous. Hop là. Merci à Yannick, pareil, je t'envoie une invitation pour liker la page et t'abonner, et ainsi tu pourras suivre tous les lives qu'on l'on fait. Pareil pour ceux qui nous suivent sur Twitch, il y a du monde aussi, n'hésitez pas à nous follow. Bah, j'étais parti pour faire qu'une heure de stream, et ben là il y a du monde et tout, ben on va continuer. Hein, on est quoi? On est à 53 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission annexe à faire? Il y a pas mal de missions annexes qui sont là. Je pense pas que j'ai terminé le jeu. On peut monter le jeu jusqu'au level 50. On voit qu'il y a d'autres missions annexes. Je vais récupérer des jetons du crime parce que, vous allez les voir, il y a plein de tenues hyper sympas. Et moi, je vais récupérer cette tenue-là. Cette tenue-là, il me faut 6 jetons de base plus 6 jetons de crime pour l'avoir. Donc du coup, bah, on va tout faire pour essayer de l'avoir. Hein. Allez, go. Alors on va aller ici, faire des petits combats dans le coin. Mais calme-toi, ça va. Déstress, GGG. On va faire un petit peu de quête comme ça. Allez, c'est le dernier là. Voilà. Un jeton de crime. Est-ce qu'il y en a d'autres à avoir? Par contre, c'est quoi ce truc brillant? Non, ok. Et ben, on repart vers l'infini et au-delà. Voilà. Ah, ouais. Ah, ça c'est un truc de transport. Si c'est un truc de transport qui roule, j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est super impressionnant pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ah non, c'est pas le cas. Ça a pas l'air fini quand même, parce que les hommes de lit sont toujours là en train de semer le grabuge en ville. On va faire quelques petits attaques en l'air, c'est toujours assez impressionnant. Allez. Ok. Il y en a deux, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul. Non. Il est terminé, il est où? Ah, il est bloqué en poubelle. Voilà. Un jeton du crime supplémentaire. On en est où là par contre en termes de level? Alors il y a une nouvelle mission qui est apparue. Révolution, mission principale. Et celle-là, 3000 XP, ouais, ça me fait passer à level 39 easy. On va continuer quand même de chercher des missions de crime. Parce que c'est assez intéressant ça. Voilà, il y en a une là. Oh! Bah alors. Oh, la concentration est pleine. Oh, attention! Oh!
Ça me permettra. J'aime toujours les trucs de concentration. Même si ça devient moins puissant maintenant avec le temps, mais c'est toujours aussi classe. Sur, il est ralenti. Bim. Bon, c'était pas la plus belle celle-là par contre. Oh, par contre, celui-là, je l'ai pas vu venir. Oh, faut que je fasse gaffe là, faut que je fasse gaffe. Oh, je l'ai pas vu ça non plus. Pas grave pour la concentration, on va pas la prendre. Et là, qu'est-ce qu'il reste? C'était le dernier. Ouh, t'es pas le dernier. Tiens. Toi, tu vas être le dernier. Non, toujours pas. Et où le dernier? Oh là, je l'ai pas vu. Voilà. Non, mais on va pas se faire embêter par un groupe de démons, un groupe de chinois en casque. Non. Un groupe de en masque. Alors, j'ai rien contre les chinois. Mais du tout. Mais c'est ouf en fait dans tous ces dans tous ces Marvel. Enfin là les j'en réfléchissais à un truc mais je pense que j'allais dire une bêtise. Non, il faut que je réfléchisse un peu au Marvel. Non, mais on va pas se laisser faire embêter par tous ces démons. Puis même eux, en fait, parce qu'eux, ils sont pas vraiment avec moi, hein, l'espèce de paramilitaire. Je me demande des fois si je me prends pas certaines de leurs balles perdues. Allez, hop. Alors, c'est pas là que je veux aller. C'est... Voilà, il y a un nouveau ici. Ah là ça j'aime bien. Ça j'aime bien, vous allez voir, c'est génial. C'est les courses poursuites en voiture. C'est toujours hyper impressionnant. Chaud, 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 chaud. On peut le rater et on peut perdre un petit peu de vie. Je dois l'éloigner du civil. Ah, des renforts. Vous enfilez vos masques quand vous arrivez? Ou alors vous conduisez comme ça? Allez, concentration? Non. Non, mais non, je vais utiliser la concentration que j'avais. Ah ouais, toi t'es Ouais, ça devient de plus en plus compliqué et puis il y en a de plus en plus hein. Ils sont vraiment en train d'être vénères tous les démons là. Yeah. Oh, c'était compliqué, hein. Ces démons-là étaient bien, bien fat à voir. Pas simple du tout. Allez, bon, on va faire cette petite quête-là. Est-ce que j'ai suffisamment pour récupérer une nouvelle tenue ou pas? Toujours pas. Il manque des jetons de base. Je sais pas comment je chope ça, ces jetons de base. Autant, ouais, les jetons de crime, il va manquer quand même des jetons de base. Bon,
Qu'est-ce qu'on en est au niveau des missions annexes? Les crimes démons, on va les, tous les faire. Il y en a 4 sur 5, mais il faut encore un, donc. Et il faut que je trouve les crimes malfrats maintenant. En tout cas, c'est magnifique. Ah. Ah. Quoi? Ok. Oh. On est vraiment impressionnant. Ah. Bon, bah ça c'est fait. J'ai terminé les démons dans Greenwich. Maintenant, on va voir si je vais avoir. Est-ce que ça va revenir avec les gangs? Juste les ennemis de base pour pouvoir avoir des jetons avec les ennemis de base ou au moins terminer aussi ce quartier. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a encore des trucs verrouillés? Ouais, il y a encore des trucs verrouillés, il y a encore 3 trucs verrouillés, donc il y a énormément à faire. Moi je me rappelle de la presse française qui a testé le jeu au lancement, enfin au début, et je voyais qu'il marquait 15-20 heures pour terminer le jeu. Que ce soit en ligne droite ou pas, enfin moi je prends du plaisir. On est à 30-35 heures là, on est loin de l'avoir terminé, enfin loin de l'avoir terminé. Je pense qu'on va débuter la troisième et dernière partie du jeu. Mais vraiment, il y a de quoi s'amuser et pleinement. Et quand les développeurs disaient que la durée de vie du jeu était entre 40 et 50 heures de jeu, bah je la crois complètement. Non, en fait, je réfléchissais si à chaque fois, en fait, c'était pas des minorités ethniques, mais à chaque fois des autres peuples, les méchants dans les Marvel, mais non. Parce que là, en fait, effectivement, c'est des Chinois. Donc, c'est pour ça que je disais des Chinois en masque. Il y avait absolument, je tiens à préciser, rien de raciste dans mes propos. C'est juste parce que ce sont des Chinois en masque. Mais en fait, c'est vrai que souvent, on voit dans les jeux Ubisoft, surtout les Tom Clancy, plus que les jeux Ubisoft, où c'est souvent... où c'est toujours les Américains les grands gagnants, et c'est... Bon, y a eu la Colombie, il y a eu... Il y a eu dans les Splinter Cell, à chaque fois, les méchants, c'était... Il y a un coin là-bas, allez, ok. C'était d'autres pays. Ah, voilà. Ah bah, là où j'en suis Mais non. Ah oui, ok, j'ai cru que je l'avais raté. Allez. Allez hop, c'est fait. Un bon vieux braquage à l'ancienne. Toujours un jeton de cri, mais pas jeton de base. Bon, on va continuer, on est toujours dans Greenwich. Il m'en faut 5 comme ça. Et ben voilà, vous êtes encore très nombreux. Beaucoup de likes, merci beaucoup. Non, après, en fait, dans Spider-Man, la plupart des méchants, elles sont, on va dire... Ok, attends. Non, derrière moi. Ce sont des méchants new-yorkais. Principalement. Ok. C'est bien aussi avec les véhicules, comme ça. Mais non, allez. Ah, je perds le fil. Sans mauvais jeu de mots.
C'est toujours super impressionnant, la caméra qui bronche pas une seule seconde, le framerate qui est vraiment hyper fluide, enfin bref, c'est spectaculaire, vraiment hyper, hyper spectaculaire. Bon bah là, je pense que j'ai arrêté le truc. Greenwich, crime malfrat, donc en fait, il se débloque après les crimes démons. Alors je me dirige vers la mission principale, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est plus la mission annexe. On va monter ici. Qu'est-ce que... C'est moi. Mission de nuit. Jameson a raison. Vous faites que malin, mais en réalité, vous ne faites que nous compliquer la tâche. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, cher agent ? Fisk va être relâché. Ça m'étonnerait. On a des preuves de ses crimes sur des dizaines d'années. Plus maintenant. Le camion qui les transportait s'est fait braquer. Les disques durs et tout ce qu'il y avait dessus ont disparu. Le gros Willy s'en sortira pas comme ça. Je retrouverai ce disque dur. Ben merci à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup... Il y a eu un pic de beaucoup, beaucoup de gens, ça fait plaisir. Merci à Younes, ou Youn, excuse-moi si j'écorche ton prénom, qui nous a partagé. Merci à Fidel qui nous a partagé. Je peux pas voir en fait tout le monde qui partage, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de partages, c'est super cool. Donc voilà. Beaucoup de likes, alors je vais aussi voir les likes. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à Emeric Bonnel, merci à Osama Sali. Je vous invite à liker la page Renegade. Il y a d'autres lives sur la page Renegade tout au long de la journée, et surtout le soir à partir de 21h. Allez, on était parti pour une petite heure, mais on va vraiment on va faire plus. Et puis de toute façon, après minuit, c'est à ce moment-là où ma connexion marche le mieux. Donc voilà. Allez. C'est vrai quoi? Les hommes de Fisk volent les disques durs à la police et c'est moi qu'on accuse. Enfin, le plus important, c'est que Fisk s'en sort pas comme ça. Alors où est-ce qu'on va aller? Là c'est tout ce que j'aime pas, c'est... Il y a la pluie ou c'est l'effet de vitesse? Non, c'est l'effet de vitesse. Non, non, il pleut aussi. Pluie et nuit. Tout ce que je n'aime pas, tout simplement. Allez, vous êtes où là? Juste attends. Apparemment, ils ont pas encore détruit les disques durs. Alors, on va faire ça. On va faire ça en mode infiltration, c'est super cool. J'aime beaucoup ça. Par contre, j'ai un truc dans l'œil maintenant. Là, j'ai plus à boire. C'était un petit peu à découvert. Oui, Flo, c'était un petit peu trop à découvert. J'aurais pas dû la jouer comme ça. Il est temps de gâcher la petite fête de retour de Willy. Alors, comme ça ou comment? Est-ce que... Allez, on a les disques. On va plus la jouer comme ça. Parce que là-bas, il y a lui... Ça c'est fait. Maintenant, il faut vraiment que je fasse gaffe à tout le monde. C'est pas ce que je voulais faire en fait. Allez, je vais t'accrocher à l'arbre. Tranquille, Emile.
Sans danger, ouais, sans danger, mais. Sans danger, mais pas trop, pas tout de suite en fait. Parce que voilà, tout simplement. Lui, eux, là, il faut vraiment que je les disperse. Alors, on va faire ça. Est-ce que je peux faire genre. Merde, je l'ai mal fait, je pensais que ça allait le faire mettre devant. Comment j'ai trop raté mon truc, quoi. Y a pas un truc, un bruit. Ah, voilà. Il y en a au moins un des deux qui va se faire prendre. Pas besoin d'être un génie, mais en attendant. En attendant, personne ne sait qui l'a fait. Allez hop. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors là, on va le refaire. Tac, tac, tac. On va la mettre là. Ok. Et on va mettre ça là. Ça n'a pas marché. Donc on va mettre ça là. Voilà. Comment ça? Voilà. Quelle fin plus classe que celle-là? C'est tout? J'ai vu des gens se battre mieux que ça pour un nouveau smartphone. Ok. Alors, quoi faire maintenant? Rien? Ah, il faut que j'aille là. Les disques durs sont intacts. J'ai plus qu'à renvoyer ça au commissariat de Hell's Kitchen. Je paierai cher pour voir la tête de Willy quand il apprendra la nouvelle. Il va recracher son Bordeaux dans Manhattan. Et je ferais peut-être un night long Spider-Man. Hein. Hey, ça m'a motivé tout à l'heure. On a eu 54 personnes en simultané. C'est un record. Il fait super motivant. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ça. Non, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais aller. Hop là. Restez là où il est. J'ai retrouvé les disques durs. Attendez. Comme par hasard, vous saviez où les trouver? Je commence à croire que vous travaillez vraiment avec le Kingpin. Vous êtes sérieux? Je les aurais volés pour les rapporter après? Vous croyez pas que j'ai mieux à faire de mes journées? Ouais, c'est super sympa et. Oh non. Rocket! À couvert! Hé! Hey, vous pouvez pas que vous en faites un peu trop? Bah voilà. Vers l'infini et au-delà. Ils ont pas l'intention de nous faire de Ah ouais, là c'est grosse guerre quoi. Tout ça pour des disques durs? Vous avez jamais entendu parler du cloud? Ah mais. Ah, je vois un peu mal. Oula, c'est un peu compliqué. Ouais. Et. Bah, on se calme là. Non, mais. Ah, par contre, j'ai pas compris pourquoi j'arrête pas de me faire défoncer alors que. Ouais, tout est ralenti. Ah, oui, c'est à cause de mon pouvoir que j'ai mis. Si je suis en dessous du seuil de vie.
Allez. Non. Non. Mais c'est pas possible. Alors les mecs, il est chez les flics, mais... Et les flics le font rien. Hein. Alors on va lancer ça. Il en reste. Je les vois pas où ils sont, mais il en reste. C'est pas vrai. Des sommes de fils qu'on dû réussir à monter. Bah ouais, avec un hélicoptère, on monte où on veut, hein. Où sont les disques? Allez, regarde. Mauvaise réponse. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait ça? Matrice de suspension, j'ai jamais essayé. Ah ouais. Je l'avais pas encore essayé ça, mais c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et bah c'est fini. Et bah les missions annexes commencent à être aussi difficiles que les missions principales. Ah mais c'est un peu la guerre complète dans New York. Je vous demande pardon. Je me trompais sur vous. Jameson est un ami. Je vous remercie, ça fait plaisir. Juste une question. C'est vrai que vous venez de... Oui, on l'appelle... Queens. très très bonne répartie. L'araignée sympa du quartier. Qu'est-ce que c'est que ce trophée? Moi, je regarde pas les trophées pour éviter de me faire spoiler. Est-ce que c'est parce que j'ai terminé le Queen? Est-ce que c'est parce que j'ai terminé ce type de mission annexe? Je ne sais pas, peut-être. Parce qu'il y a quand même pas mal balèze pour une mission annexe. Alors, j'en suis où? Level 39, ok. Alors le Queens, qu'est-ce qu'il me reste? Pareil, il y a trois trucs verrouillés, parce que sinon j'ai fini les autres, tout ce qui est gang, malfrat, là aussi crime de malfrat, il faut que je les fasse. Tac, tac, badaboum, badaboum, tac, tac, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a à faire. J'ai peut-être terminé une partie des missions annexes. Alors tenue, qu'est-ce que je peux avoir comme tenue? Toujours pas celle-là. Oh, très très belle aussi. Mais pareil, il me manque des jetons de base. Technologie décuplant votre force et permettant de projeter vos ennemis dans les airs à chaque attaque. Ah, j'ai aussi gagné le pyjama. Ça, c'est le truc ultime. Ouais, je l'ai débloqué, mais je la prendrai pas spécialement. C'était juste pour la débloquer. Ouais, ça m'a utilisé un jeton de crime. Ça va, je vais en récupérer d'autres. Il manque trois autres tenues. Bon, pour l'instant, je reste sur celle-là. Pouvoir tenue, toujours la même. Est-ce que j'ai gagné un point d'expérience? Alors, compétences, elles sont là, ouais. Mais par contre, ça va me débloquer rien parce que c'est minimum 2 et 3 maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il n'y a plus que ça. Là, je regarde qu'il n'y a plus de mission annexe non plus. Et il faut aussi que j'aille au raft. Mais ça, je pense que c'est une mission qui va m'y emmener pour pouvoir prendre une photo. Bon, bah... On va se rendre en direction de la mission principale et on verra en fait s'il y a des alertes de malfrats en ville. En tout cas, vous êtes encore très nombreux sur Facebook, ça fait super plaisir. Merci à vous. C'est quoi là? C'est le laboratoire? Qu'est-ce qu'il va y avoir au laboratoire? Quelqu'un? Parker! J'arrive juste à temps. Ah ouais, là c'est le moment où ça va... Tranquille?
Ou ça va twister, non? Avec lui. Attendez. Où sont les bras? Ils sont sur lui. Eh ouais. Oh, wow. Trop cool. Ah, trop cool, trop cool. Mais, comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. T'as réussi à créer un monstre, ouais. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et tout marche à merveille. Tiens. Eh, pas besoin de bêta test. C'est un quoi ce bug là? À ce design, allez hop, c'est bon, c'est fait. C'est en fait, je suis en train de créer le monstre que Octavius va devenir Octopus. Je crois que c'est ça, hein, le nom du grand méchant. Salut à Julie qui vient de nous rejoindre sur le live. Alors je regarde, il y a beaucoup de gens qui ont liké. Merci à Francis, je t'invite à liker la page Renegades. Allez, je vais tous te refaire parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux ce soir. On a fait un pic à 56, c'est historique. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir, c'est motivant. Merci à Charlotte, merci à Joe, merci à Yannick, merci à Teddy, merci à Younes, merci à Carlos, merci à Francis, à Osama, Osama c'est ça, à Emeric, à Yannick, à Kimo, à Hamed, à Fidel et à Hamzar. Vraiment, Amar, pardon, voilà, vous êtes vraiment beaucoup, c'est super, super cool. Bon, bah là, il va falloir que, qu'est-ce que je fasse? Il y a une petite erreur. Mais c'est pas grave, à ce design. Pic de voltage, ça se corrige facilement. Ah, je suis fatigué, mais là, j'ai envie de continuer. Mais là par contre comment ça se passe ici? Voilà. On va voir si ça marche. Oh. Non, c'est pire que ce que je croyais. Bah ouais, c'est pire que ce que je croyais, mais normal, ça va devenir ça va être un nouvel ennemi. Que faire? Alors, on va faire tac, tac. Ok, on peut pas bouger ça. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Sinon, je passe partout, ça fait tac, 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 et ça revient là. On va voir. Voilà. Vu que ça l'est stabilisé. Mais si tu peux arranger. Sinon cette ennemi ne serait pas là. Ah, on va tout retirer. Tac, 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 tac. J'ai besoin de savoir tout ce que j'ai avec moi. Ok, ça, tac. Ça, tac. Ça, tac. Un tour pour rien. Ah, ça c'est pas le moment le plus dynamique du jeu, ça je vous l'accorde. Alors ok.
6. Moins 2. On va le faire, voilà. Allez. Toujours erreur critique. C'est pas bon. C'est pas bon, en effet. Docteur ? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche rien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Là. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests. Pas le contrarier. Ouais, toi t'as une vengeance à reprendre sur la vie, mais c'est pas terrible. C'est pas le mieux. Je crois que son esprit n'est plus là. Non, je crois pas ça. Une seule seconde. Putain, mais ça aurait pu faire tellement d'effets de style et de super plan de réalisation. Ou sinon c'est un personnage. Ou sinon c'est un personnage qu'on rencontrera dans une mission dans un DLC prochain. C'est possible. Je vous rappelle, il y a 3 DLC qui vont sortir. Octobre, novembre et décembre. Le prochain c'est Black Cat. Il y en aura un en novembre, il y en aura un en décembre. Je vois pourquoi. Eh ben dis donc, Norman Osborn, vous avez pas la grande côte, hein. Surtout auprès des plus grands méchants. Des plus grands méchants de New York et de Manhattan. Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Eh ben il va y en avoir de l'action. Un lac supplémentaire. Vous êtes nombreux, ça fait super plaisir. Merci à FitFat Tiprom. Je t'invite à liker la page Renegades et à t'abonner. Ainsi, comme ça, tu pourras avoir tous les autres lives. Si t'as bien aimé celui-là, ben on a plein d'autres déjà tournés, déjà en stock, déjà d'autres sur Marvel Spider-Man et puis d'autres qui vont arriver tous les soirs à partir de 21h et puis parfois en journée, surtout le week-end. Le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci Pete. Je dois y aller. Tente même à filer une liste de fournitures à acheter. A plus. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre mission qui se débloque On est à 70% du jeu. On est level 39 sur 50 levels. Oh, il y a encore tellement de monde, ça donne pas envie de s'arrêter. Et on est à 1h32 de live. Où je suis là? J'aimerais bien faire en fait terminer les crimes des malfrats dans cette zone. Ah, il y en a un là. Je suis bon. Félicitations, capitaine. Vous avez eu le poseur de bombes. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est quoi le truc? Pourquoi il y a un...
Alors, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est leurre, ok, c'est pas le même. Ok, j'avais pas vu, c'est pas le même pouvoir. C'est un autre pouvoir avec un leurre holographique. Oui, ça a changé quand j'ai pris l'autre pouvoir de Spider-Man. L'autre tenue. Oula, oula. Par contre, là, on va un petit peu. C'est pas ça que je voulais faire. Ça c'est sympa aussi. Voilà. Non ! Oh non ! Oh, j'avais largement assez. Ah ouais, là j'ai été repris mais en revers j'ai rien vu venir. Je me suis fait avoir comme un petit bleu. Non, quand je dis un petit bleu, il n'y a rien de raciste avec les Schtroumpfs. J'aime beaucoup les Schtroumpfs. Bon, ben, c'est pas grave, on va falloir rechercher un élément, une mission. Salut Henry Sands. Je sais pas ce que veut dire ton smiley, mais merci. Allez. Ah, où ça? Ok, je vais régler mon oreillette sur les voix étouffées. Il y a beaucoup de bruit à New York. Et mon masque peut isoler les sons étouffés. Par exemple, ce que ferait une victime baïonnée. Être une de ces voitures. Bougez pas, je vous. Oh bah ça je connaissais pas encore comme type de mission. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Merci. Attention, les voilà. Ah c'est le. Ça aussi c'est sympa. Je suis perdu avec les autres Spider-Man. Alors on va faire un truc parce que moi ça me stresse. Je veux pas ce pouvoir là, je veux le pouvoir qui était bien. C'était celui-là. Ok. Essayons de voir d'autres. D'autres missions. Alors là, je suis toujours dans le même quartier. Et j'ai deux autres crimes de malfrats. Bah c'est au même endroit. On va y aller. Sauver les civils. Ah c'est juste... ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Ok. Bah oui. Quelle force. Quel homme... vas-y. Sors. Quel surhomme. C'est lui qui a causé ce carnage. Il faut que je trouve ceux qui ont fait ça. Ils doivent encore être dans le coin. Ça aussi je connaissais pas comme mission annexe, donc c'est pas mal hein. Je suis sûr qu'ils sont en pleine course poursuite, allez hop. Oh.
Non, non, non. Allez, vas-y. C'est vraiment beau de passer comme ça. Oula, je viens de repasser devant. Des ennemis qui arrivent. Non, c'est bon. Elle est plus qu'un crime de malfrat à Greenwich. En tout cas, c'est super impressionnant, voilà, comme je disais, de passer entre les rues comme ça, de voir vraiment, il y a beaucoup de voitures. C'est réaliste, ça, c'est New York, c'est comme ça, c'est plein d'embouteillages et plein de bouchons. Et bon, on va y aller. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le live, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la page Renegades pour suivre tous les lives. Là, on est en direct sur Marvel Spider-Man depuis maintenant plusieurs jours. Mais là, ce soir, depuis 1h30. On va essayer de le finir, sûrement pas ce soir. Mais on va faire une très longue partie, hein. Plus il y a de monde, plus on est de fous. Ben, plus on est de fous. Plus on est de fous, plus on joue. Ah, ça, je vais le déposer. Donc voilà, bah là j'ai fait... Ah non, par exemple, je suis à Greenwich, donc je suis plus dans le même quartier. Donc il me reste toujours des malfrats. Et là aussi, il m'en reste un. Allez, on va essayer de faire ces deux-là avant de terminer. Pas la session, mais avant de repasser à la mission normale. Je suis à combien du level 40? Je suis quand même assez loin du level 40 pour l'instant. Quoi, avec le zinzin masqué. Man. Oh, votre vie. Alors, je cherche des missions en fait. Des crimes à élucider. Ah, en voilà. Et c'est une course-poursuite, ce que je préfère. Super impressionnant. Allez, allez, allez. Je peux le rater, je peux le rater ça. Ça m'est déjà arrivé. Les mecs, ils ont pas le temps de sortir que déjà je les harcèle. Donc là. Ouais, ça j'aime beaucoup. Il restera plus que le gros dur. Allez, Greenwich, Grim Mafia, ça a été fait. N'hésitez pas à interagir aussi si vous avez des questions ou envie de parler de quoi que ce soit, du monde du jeu vidéo ou peu importe. Et ben, je serai ravi de vous répondre à vos questions ou même vos interrogations sur Spider-Man. Vous êtes très nombreux sur Facebook, vous êtes aussi nombreux sur Twitch, c'est super cool, je vois les deux chats. Donc si vous voulez interagir ou parler de quoi que ce soit, et ben, soyez free, soyez libre. Et n'hésitez pas à liker, partager si vous aimez ce que vous voyez.
et je vais perdre ma voix parce que ça fait un bout de temps que je suis dessus. Alors là, dans ce quartier, j'ai tout fini. Il me manque à verrouiller. Il y a deux derniers trucs à verrouiller que je dois déverrouiller. Là, il y a les crimes malfrats. Bon, bah, on va aller là faire cette mission-là. Je vais voir si c'est des missions malfrats qui vont se débloquer avant que j'aille prendre la mission principale. Je suis à combien? Ouais, je suis encore loin du level 40. 39 même pas. 39 ou 40? Ah oui, je suis ouais, prochain c'est 40. Et ben on arrive. Ouais, ça va, je suis pas policier. La nuance est mince. Eh hey, oh, je trouve que vous êtes trop près de moi là. Allez, allez. Mais t'es bloqué mec. Je peux rien faire. Là c'est bien, hop là. Allez, 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 par contre, on va pas on ne déconne pas là. Hop là, on va là. Allez. Toi avec ton flingue. C'était un peu chaud. Mais on a réussi. C'était un peu chaud, hein. Mais on a réussi. Steve Kavana, salut à toi. Je vois que le jeu est. Je vois que le jeu très beau graphiquement est très fluide. Il est très très beau. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est fluide. Il est. Vous allez voir vraiment quand. Là, par exemple, on pourrait juste marcher dans la ville comme ça. Tous les détails sont là, les voitures dans New York qui sont... C'est quoi ça? D'ailleurs, en fait, n'importe quel coin de rue, c'est vraiment très très beau. C'est la version post-apocalypse en moins, mais aussi beau que The Division. Puis après, voilà, regardez, c'est très fluide. On se croirait vraiment dans un film Spider-Man, que ça soit la première trilogie, que ça soit The Amazing Spider-Man ou encore Homecoming. Et encore, je trouve qu'il y a beaucoup plus... d'effets de caméra et de plans séquences qui sont hyper saisissants que dans Homecoming, le dernier film qui est un film Marvel qui est avec des effets spéciaux de ouf. Donc c'est vraiment super super impressionnant. Regardez ça, hop là. Et encore vous voyez live parce que je suis obligé d'enregistrer ainsi pour les besoins techniques en 30 fps. Mais c'est super super fluide hein. Faire des super sauts. Regardez, regardez ce que je peux faire, hop là, vous allez voir, c'est magnifique. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, au ralenti. 16 semaines Nathan, ça fait pratiquement 40 heures de jeu qu'on est dessus. 40 heures de jeu, entre 35 et 40 heures de jeu, et je m'en lasse pas. Il y a, je vais vous montrer sur la carte, en fait, si je voudrais... Pour aller à des endroits, il y a des points de voyage rapide. Mais non, c'est tellement ouf que j'en ai pas besoin. Alors qu'est-ce qui reste ici? 3 zones verrouillées, ok. Allez, on va faire la mission annexe. Pas la mission annexe, la mission principale qui est là en espérant que c'est pas la dernière. Hein. Ou sinon, on peut continuer tout simplement à virevolter dans Manhattan. Ouais, on peut faire ça, on peut faire les crimes là. Allez, on va aller là. J'aimerais bien en fait bien évoluer mon personnage et j'ai pas envie de finir le jeu avant que j'ai vraiment exploré tous les recoins de Manhattan. Donc je sais pas où on en est. On a mis Monsieur Lee sous les barreaux, mais là maintenant il y a le professeur Octo qui va péter un câble. Donc ça sera sûrement un nouveau méchant. Ah, j'ai récupéré mon pouvoir tenu. Ah.
Non mais vas-y. Ferme ta gueule, JJJ. À chaque fois, on... mais il est bien fait, hein. Pour qu'on en arrive à dire ça, à dire ferme ta gueule, JJJ, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé le personnage. Non, c'est un excellent jeu. C'est, enfin, pour moi, je suis conquis, mais ça fait, voilà, 30-35 heures, non, 35 heures, 40 heures plus qu'on est ensemble. Enfin, que j'arrive à trouver le, si je peux trouver le quelque part, hors game exactement à combien de temps on est, mais c'est simple, ça fait plus de 14 jours, peut-être 15-20 jours qu'on est ensemble sur le jeu. À coup de au moins 2 heures, parfois 3 heures, mais au moins 2 heures. Donc, si voilà, ça fait 15. Ouais, on est à 30 heures facile. Hein. Bon, il y a des choses à faire. Voilà, il y a des choses à faire pas loin de Times Square. Ah, je commence à fatiguer, mais bon, il y a du monde. Bah, on va rester. Ouais, tant qu'il y a du monde, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Spider-Man, Dieu merci. Les démons ont truffé le bâtiment d'explosifs, mais on peut pas s'approcher. Dites-moi ce que je dois faire, je suis là pour vous aider. On a localisé l'engin principal. Si vous parvenez à le neutraliser, il vous filera une clé d'armement. Vous pourrez vous en servir pour trouver et désamorcer les unités secondaires. Pigé. Tenez vos hommes à l'écart. Je vous appelle quand c'est bon. Ouh, ça va être sympa ça, j'en avais pas encore vu, mais c'est bien. Ça se renouvelle souvent hein, l'émission annexe comme ça, donc c'est plutôt cool. Ah, demain j'aurai une engine de ouf ou plus de voix. Ouais, je suis allé un peu en mode hyper bourrin là, mais bon, c'est pas grave. Et t'en vis pas toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Est-ce que je dois rentrer par là? Je vais retirer le... Non, ok, on va le retirer parce que ça me stresse. Ah, il y en a... Alors, par où on rentre? Ah, il y a la bombe. Ah. C'est pas le moment d'avoir les mains. Non, effectivement. Bon, on aura peut-être que... Alors, est-ce que j'ai le droit à l'erreur ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que si là, je me trompe, ça explose? Alors, non. On est à 3. On est à 3, donc le plus 5, on peut le virer. Ok, on a moins. Non plus. Alors là, par contre, quoi. Ok, cool. Et ben, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Steve Kanana. Achète-le toi parce qu'il est très très bon. C'est vraiment une valeur sûre de la PS4. J'étais au piège. Les autres bombes sont armées. Je dois les désactiver avant qu'elles n'explosent.
Ok, elles sont armées, mais elles sont où surtout? Ok, hop là. Non, vas-y, reste là, reste là. Bon, allez. Il faut que je m'occupe de ces snipers. Ils pourraient viser la police. Ok. Non, j'ai plus le chrono, ça va être... Mais c'est bien, hein, parce que tout ça, ça se renouvelle et... Alors, on va prendre la concentration, on va pas faire les fous. Et ben voilà. Jeton de crime x2. Y'a pas de problème. Je savais si je peux rendre service. Et on va se diriger maintenant vers cette autre mission annexe. On l'a bien mérité de la faire. Sauf s'il y a une nouvelle mission à tout hasard. Mais on va aller sur le chemin. Et si on a une nouvelle mission de crime, ah bah voilà, on va y aller. Bah voilà, au moins ça c'est fait. Oula oula, on se calme. Ouais, ça tombe vraiment bon moment. Parce que sinon c'était chaud patate. Oh, c'est bête ça. Ouais, ça c'est assez utile. Tiens, un conseil, mange tes dents. Vous êtes nul pour le vol et les fractions, vous devriez changer de branche. Ben merci d'être autant nombreux, ça fait super super plaisir. Comme je le dis, ça fait 20 minutes que je l'ai trouvé, mais je la trouve très bien cette phrase. Plus on est de fous, plus on joue. Donc là, ben, on continue ce live sur Marvel Spider-Man sur PlayStation 4, l'enfant prodige d'Insomniac Games. Vraiment, ça c'est un titre énorme qui plaît énormément, qui bat tous les records. Alors qu'est-ce que j'ai dans cette zone maintenant? Ok, j'ai fait tous les crimes et démons malfrats, je les ai fait là aussi. Ah, il m'en reste un, je pourrais le faire. Après je me dis... Oh, on va le faire. Je suis désolé. Je vous ai dit ouais. Bah non, je vous avais dit quelque chose. Je vais tenir ce que je vous avais dit. C'est on va aller vers la mission principale. Non, c'est par contre ce que je veux faire en faisant ça. C'est en désactivant le petit truc sur la carte, parce que c'est vrai que c'est un peu relou.
Alors, Joe Dominic. Oui, c'est Spider-Man. Alors, par contre, je suis en train de voir. Oui, c'est ça, c'est Spider-Man. Merci à tous ceux qui ont liké encore depuis tout à l'heure. Waouh, il y a du monde. Merci à Jimmy. Merci à Mazuan. Merci à Louis. Excuse-moi si j'écorte ton prénom. Merci à... Je sais pas c'est quoi ces signes-là. Mais merci à toi. Merci à Joe. Merci, j'ai aussi un autre signe, je sais pas du tout c'est quoi. Je vous invite tous à vous envoyer des invitations, c'est pas du spam, c'est pour que vous puissiez liker la page Renegades, parce que comme ça vous pourrez être, si vous avez aimé ce live là, ce que vous avez liké, ben je suis en droit de penser que vous aimeriez les autres lives de la page. Donc je vous invite à liker la page et à être mis au courant à chaque fois, recevoir une notification, vous abonner et voir en premier pour voir tous les autres lives de la page où on fait sur tous les jeux vidéo du moment, pas uniquement Spider-Man. Ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Michel et puis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? Oh, c'est... C'est-à-dire qu'on laisse compliqué. C'est toujours compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvais passes. Ben. Vous avez eu des mauvais passes? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est-elle vraiment qui tu es? Hé, hey, monte le son. Je vais écouter ça. Un porte-parole. Ah, pas une ni deux. Spider-Man est à l'affût. Mais alors, est-ce que c'est des hommes de lit qui ont pris le camion ou c'est le docteur Octo qui l'a pris justement pour se venger? En tout cas, le vrai problème dans tout ça, c'est Norman Osborn, qui est le maire de New York. Et je pense que s'il n'était pas le maire de New York, eh ben, ça résoudrait bien des problèmes. Oh, il fait plus jour, c'est dommage. Et je suis level 40. Plus que 10 levels pour arriver au maximum. Alors ça c'est quoi maintenant? Bon, on va le prendre. Niveau supérieur. Ah bon, parce que ça a été déjà pas que ça a été pas déjà cataclysmique. Oh là, il y en a plein des... C'est hyper impressionnant. Parce qu'il est doué. Par contre, les gros, ils veulent pas...
contre. Eh hey, ouais, les gros ils sont plus ou moins. Sont plutôt assez balèzes. Ah ouais, ça a failli jouer de peu, mais j'ai failli tomber de peu. C'est toujours un plaisir de faire capoter une bande de drogue. Alors je suis dans quel quartier, qu'est-ce qu'il me reste? Ben ça y est, j'ai fait tous les crimes, ok, là aussi, là aussi, là non, il en reste. Non. Allez, changement de plan, on va aller là-bas. Ah parce que voilà, j'ai envie de vraiment pouvoir terminer le jeu à 100%. Enfin du moins à 100%. Toutes les zones à 100%. Alors je me doute, il y en a encore qui sont verrouillées, ça veut dire qu'il y a des missions annexes ou secondaires qui vont débloquer de nouveaux objectifs tertiaires, de nouveaux collectibles. Mais j'ai peur que ça se fasse quand même après, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Ah, peut-être on est à 2-3 heures de la fin. Ouah, peut-être, ah, j'ai... Non, franchement j'ai peur qu'on soit plus à 1h30 de la fin. Si on avance en ligne droite là. Alors là, j'y suis pas encore, ok. Puis de toute façon, ça permet, ça change un petit peu, ça permet de voir la ville, la somptueuse ville de Manhattan, Big Apple, hein, de croquer dedans en pleine nuit. Salut Maria, Mera, pardon, excuse-moi, cool. Bah ouais, ce jeu est super, super cool. Vraiment, je kiffe vraiment jouer, le faire avec vous. Vous êtes nombreux, c'est hyper motivant. Là, on fait vraiment tout ce qui est crime et malfrat dans le quartier. Je vais faire ce quartier, après je reprendrai la mission principale. Mais voilà. Voilà. Et ben allons-y. Et ben on y va. Vers l'infini et les spaghettis. Non, c'est vraiment nul ça. J'essaye de. Non! Ah oui, c'est là, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais perdu. Il y a tellement de trucs à esquiver maintenant que c'est délicat. Ouais. Alors, hop là, on a fait ça, je vais le désactiver. Normalement, je vais pouvoir quand même améliorer pas mal de choses. Attendez, je vais aller voir parce que, en plus des tenues, moi je fais ça surtout pour les tenues, mais je fais ça pour cette tenue. Ouais, mais il me faut les jetons de base. Même là. Alors, ces jetons de base, c'est quoi? Parce que j'en ai zéro, hein, donc du coup, à quel moment j'ai eu les jetons de base? Bon, on va voir, il y a des gadgets, normalement je peux peut-être les améliorer, ok. Là pareil, il me faut un jeton de base. Et bien super, on va pouvoir améliorer ça au moins à fond. Un jeton du crime là, il m'en faut un. Non, ça c'est fait. Ah, jeton de crime, il m'en faut, j'ai pas suffisamment. Bon bah on va continuer ça pour avoir des jetons de crime. Ah, il y a un truc là-haut. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi de mon ennemi. Mon ennemi. Aussi mon ennemi. Enfin, je suppose. Mais je dois empêcher ça. Eh, les doigts, c'est fait pour les barbes. Oh, ça c'était de peu, hein. Ouais,
ça, mais c'est hyper impressionnant à chaque fois. Franchement, des combats comme ça, très sincèrement, j'en ai pas vécu depuis God of War 2, 1 et 2 sur... Par contre, là, on va un peu... Hop là. Alors là, on va y aller. Oula, toi tu te... Voilà. Bonjour Benjamin Gillet, bienvenue à toi, merci de rejoindre le stream. Vous êtes nombreux, bah on va continuer. Plus on est de fous, plus on joue. Merci à Diego d'avoir liké le stream aussi, je t'invite à liker la page. Merci à Didi aussi, je t'invite pareil aussi à liker la page Renegades pour te tenir informé de tous les autres streams qu'on peut avoir et de tous les reportages et autres qu'on fait autour du jeu vidéo. On est un collectif d'une douzaine de personnes maintenant. Ça commence à devenir très gros et c'est super super cool. Et c'est grâce à vous qui suivez tous nos lives, grâce à vous qui venez, qui regardent. Inquiétant cette voix. Le début d'un nouveau. Ça sent encore mieux quand il y a deux camions comme ça. Franchement les gars, pas de clignotant ? Ah, je dois vous coller un bébé ? Quel humour Spider ! Quel humour ! Regardez comme c'est fluide, comment c'est beau, comment c'est bien animé. Ce travail, mais vraiment un truc de ouf. Pas vraiment ce que j'appelle désactiver une bombe, mais allons-y. Point route. Ouh, pardon, par contre, là, on va pas en... pas eu. Ah ça c'est rageant. Ah c'est rageant de peu. Ah là là, vraiment de peu. Bah ouais, forcément j'ai perdu le truc. Alors qu'est-ce qu'il me reste combien là? C'était le deuxième. Là ça c'était le truc des malfrats. Bon bah il va falloir que je re-m'balade dans le quartier pour pouvoir en déceler un nouveau. Ah, où ça? C'est dans l'autre sens. Petit instant de balançoire. Ok, je vais régler mon oreillette sur les voies étouffées. De toute façon, c'est simple le truc des voies étouffées. Non. Alors est-ce que je peux aller en dessous, non? Alors est-ce que ça pourrait être là? Non. C'est où? Non, c'est pas là.
Alors c'est peut-être là-bas. Il y en a un tout seul là. Ah c'est là ouais. Bougez pas, je vais vous sortir de là. J'ai cru que j'allais mourir là-dedans. Merci. Les voilà. Ils vont me remettre là-dedans. Bah non parce que je suis là. Oh ça c'est disco là. C'était rapide ça. Au dos d'une brique. Ah oui. Oui, au dos d'une brique de lait. Pour comprendre l'humour, c'est aux États-Unis en fait. Les personnes recherchées sont au dos des certaines briques de lait. Parce que je récupère la roquette, mais ça fait pas grand chose. J'en suis à combien là? Bon hop là. Je suis à 3-2, ok. On va continuer un petit peu à cleaner la zone. Et on reprendra la mission principale ensuite. On va voir déjà si je peux améliorer certains gadgets. Tac tac tac. Non. Oui, non. Le tombe base, j'en ai pas. Bon, on va aller faire la quête. On va aller faire la quête. Ah, en plus, la quête est à côté du raft. Peut-être que je vais avoir l'occasion d'aller au raft et de prendre la photo qui me manque. On va faire la quête. Puis après, on va se quitter après cette quête là. On est pas mal encore, mais il est 3h15, il se fait tard. Vous avez été très très nombreux ce soir, ça faisait super plaisir, merci à vous tous. Regardez, c'est un jeu avec un monde ouvert et une vraie circulation. Vraiment une vraie vraie circulation. Alors bon, on prend aucune voiture, mais c'est un peu pour tous les autres jeux qui sont aussi des jeux à monde ouvert et qui sont des GTA-like avec des voitures, mais où il y a très peu de circulation.
Et là, il y a tout, il y a à gérer, il doit y avoir géré, on doit gérer le sol, enfin la circulation, les piétons, et puis tout l'axe vertical, les mécaniques verticales du jeu, c'est-à-dire tous ces systèmes de balançoires. Putain, j'ai regardé, je pensais qu'on était sur la fin tout à l'heure, il y avait 10 personnes qui live, enfin qui regardaient en temps réel, et là on est repassé à 20, c'est complètement fou ce soir, c'est complètement fou, en tout cas, ouais, j'adore, parce que j'adore ce jeu-là, et j'adore pouvoir le partager avec vous. Bref, c'est vraiment génial. Ah, voilà, on va le raft. C'est Riker, ouais, c'est ça. Riker, c'est la prison. C'est la prison emblématique de New York. Et puis le raft, c'est la prison imaginée, justement, pour les mutants ou pour ceux qui sont. Qui ont des habilités spécifiques. Ah ouais, mais vraiment, plus on avance dans le jeu, plus c'est spectaculaire de fou. Ah ouais, mais non, mais vraiment. Oh. Bah ouais, c'est grave. Ouais, je pense pas. Hein. Alors là, par contre, en termes d'action, c'est ouf, il y en a vraiment partout. Tiens, faut t'apprendre à jouer avec un bazooka. Super, j'en vois encore quelques-uns dans la cour. Qui a eu l'idée géniale de ranger des lance-roquettes dans une prison? Ici le sergent Hudson, répondez. Y a quelqu'un sur ce cadavre? Ici le capitaine Watanabe. Où êtes-vous? Mon panneau d'accès électrique. Sur le toit, près du bloc D. J'essaye de rétablir le courant. C'est vous dans l'hélico? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il y a eu une panne de courant. Et tout est parti en vrille. Tenez bon, on vient vous chercher le plus vite possible. Ah, c'est pleine action. Alors sur le toit, quel toit? Ah non, c'est par là. Hey, quelqu'un est piégé derrière cette porte. Non, par contre là. Voilà. Non, c'est une baffe technique et graphique.
Oh là. C'est balèze. Hein. On arrive à un moment du jeu où c'est hyper balèze. Attention, oh, on peut faire pire. Hein. Allez, on a une petite coupure internet, mais on est de retour. Désolé pour cette petite coupure, mais ça fait quand même déjà... ça faisait quasiment 2h, 3h de live qu'on était ensemble. Bah, en fait, non, c'est il est quelle heure? Ça faisait 2h25 de live ensemble. Désolé pour cette petite coupure internet, mais normalement, on a dû repartir. Et là, on est toujours au cœur de cette action. Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est vraiment pas le bon moment. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va envoyer le drone. Alors deux petites secondes parce que j'ai pas internet ici. Je veux juste avoir le retour d'internet. Je me fais juste que je regarde que Twitch fonctionne bien, parce que sinon j'ai plus vos retours. Vous êtes encore très nombreux malgré la coupure internet, c'est super sympa, merci à tous d'être là. Hop là, on repart dans le cœur de l'action. Allez go. C'est quoi cet accent tout d'un coup là? Ok, tout a l'air à peu près en ordre par ici. Amenez pas dès que le rat ne craigne rien. Plus maintenant. Ok. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est que c'est grave, c'est grave. C'est grave, tout c'est grave. C'est qui? Ah mais les mecs sont tout permis hein. En termes de réalisation, les mecs sont vraiment tout permis quoi, c'est ouf. Faisal Diadi sur Twitch, salut, salut à toi. Il est tard, mais comme je le dis, plus on est de fous, ben plus on joue. On est nombreux sur Facebook encore. Eh ben. Liberté conditionnelle, les gars. Trop. Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la. Pour évaluer la. Mais elle est là, elle est grave la situation. Oh eh ben. Alors vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière. Ouais, c'est vraiment. Bim. Mmh.
Ouais, c'est ouf. Très clairement, c'est méga ouf. Oh! Rhino, mais tous les grands méchants sont de retour, hein. C'est un véritable brawler là. Alors est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais pas où il faut que j'aille hein, par contre. Je suis rentré là-dedans. Et dans le bloc suivant. C'est par là que je vais aller dans le bloc suivant, non? Ok. On va faire ça comment? Ok, d'accord. Bon, on l'a fait, mais mal fait. C'est quoi ça? Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison? La vidéo surveillance est assurée. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Alors, qu'est-ce qui manque? Tout ça est impressionnant. Ah ouais. Non, alors, en fait, ce que je veux faire, c'est... Non, je sais pas en fait si on peut faire la photo de Rikers à un moment. Ok. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour faire la photo de Rikers, c'est pas grave. Il est parti où? Ok, je te vois. Ah. Je me fais toujours rembarrer quand je propose ça. C'est hallucinant. Vraiment, en termes de réaction technique, c'est vraiment hallucinant. Putain, ils sont tous là, quoi. Team bad guys, team méchant. C'est la crise, ouais. J'ai pas été surpris par un jeu vidéo comme ça, je vous le dis, depuis le premier Bayonetta.
Ah putain, je l'avais pas vu venir ça. Toute l'animation est absolument bien faite, c'est ouf. Comment tu trouves mon nouveau costume ? Très classe. Oui, où tu l'as eu ? C'est ça la question. Je suis membre d'un club. Quel club ? Et s'il y a un Spider-Man 2 comme ça, je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont faire pour vraiment, parce que là ils ont placé la barre, ils sont placés eux-mêmes la barre très très haute. Ce combat, mais de ouf. Ce combat titanesque dans aucun Spider-Man film. Et même dans aucun Marvel, il y a eu un truc aussi ouf que ça. Ouais, il y a le combat avec Thanos dans le dernier Infinity War, mais... Oh non, je suis même pas sûr que... Faut pas le tuer. On rappelle qu'il faut pas le tuer. Faut pas me tuer, on m'a dit. On a dit, il y a un ordre. Ce serait bête de... Oh putain, c'est ouf. Ah, je suis même pas sûr que dans le dernier Infinity War ça soit aussi... Enfin, je l'ai vu, hein, mais... C'est quand même exceptionnel. Toctovius. Premier et dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Plouf. Tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez. Ouais, là on va arriver, c'est même pas la fin du jeu, on va arriver à une nouvelle étape de l'évolution de Manhattan dans ce Spider-Man, ce qui rend le jeu mais complètement ouf, vraiment. C'est un truc de dingue. C'est énorme ce qui se passe là. La clique des 6. Ou la clique des 6. Ou la clique des 6. Maintenant, chaque matin, quand vous vous levez ou que vous levez du pied gauche et que vous dites qu'il y a un problème ou quoi que ce soit ou que ça va pas dans votre vie, pensez à cette soirée de Norman Osborn. Bon, il a cherché aussi. Je pense qu'il a cherché, mais effectivement, là, ce soir, ça va être hardcore pour lui. Sachant que 6 des plus grands méchants de Spider-Man sont à ses trousses. Tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Non. Oh putain de merde, non. C'est lui qui l'a fait. Ah ouais. Là, on va arriver dans un Manhattan, mais complètement apocalyptique. Salut à Julie, qui nous rejoint sur live. Merci à toi. Ouais, là, c'est... Il s'est passé un truc d'énorme. Là, il va... Je disais déjà, il y avait un avant et un après quand il y a eu l'attentat dans New York. Quasiment au début du jeu, qui a valu la mort du père de Miles. Et ben là, c'est encore pire, quoi. C'est un truc de dingue. Ah ouais, mince. Sur
surveillée de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion. Ah ouais, sympa. Complètement. Depuis qu'une enquête de Google a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin de Scorp à Manhattan. Le maire Osborne assure que Scorp travaille en ce moment. Éteignez-moi ça. Mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer. Waouh, t'aurais pu lui mettre un coup dans la télé en même temps. C'est pas comme si c'était un problème pour toi de racheter une autre télé, je suis sûr que t'en as plein. Donc tu vas péter le verre. Il y a un glaçon qui est plus gros que le verre, mais tout va bien. Non mais le jeu il est tellement ouf depuis tout à l'heure que je suis obligé de chercher les tout petits défauts quoi. Bon, qu'est-ce qui, à quoi ça va ressembler maintenant Manhattan? Bah ouais. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, en fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux du sable. Vous vous cataloguez comme cible prioritaire, vous savez. Ah bah c'est bien, j'ai tous les méchants à dos plus sable. Qu'est-ce qui arrive à notre vie, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Ouais, c'est juste à New York pour l'instant. Level 41. Un nouveau point de compétence. Je suis là pour vous aider. Parfait. Les prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose ? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ouais, de la torture, quoi. Ne vous en faites pas, je m'en charge. Ah, ok. Donc là, c'est toutes les autres missions annexes qui viennent se débloquer. Super. Terminer les avant-postes de sable et des camps de prisonniers pour gagner des jetons de base. Voilà, c'est les jetons qui manquaient que je cherchais depuis tout à l'heure pour améliorer une partie de mon équipement. Donc voilà, bon, tout est, y a les crimes prisonniers, les crimes sable et les camps de prisonniers. Donc là, maintenant... On va passer, bon, je pense que demain ça va être... Là on va se quitter, je pense maintenant, il y a beaucoup de monde. Oui, j'ai dit, plus on est de fous, plus on joue. Mais ouais, ça fait 3 heures que je suis sur le live, bon, on va voir. Donc, ok, j'ai tout débloqué sur la ville. C'est vraiment le chaos le plus total. Ah, il y a une nouvelle... Oh, oh, c'est trop ouf. Combien il me faut? Il me faut un jeton de défi, c'est le... C'est le costume comics, tout en slash shading. Ah, c'est génial. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, je suis mais... Ouais, je suis sur le cul, mais... Complet, quoi. Portez atteinte de la fierté de votre ennemi. Portez atteinte. Ah, il me faut un jeton de crime. Ah, oh, on va se faire ça. Je vais me trouver un jeton de crime, un jeton de défi. Ouais. Alors, je suis où, là? Je suis ici. Tous les jetons de crime, je les ai. Mais alors, c'est quoi? Ça, jeton de base. Ah non, c'est jeton de défi qu'il me faut. Hein. Là, je me trompe pas. C'est jeton de défi. Ah ouais, c'est pas la même. Hein. Donc, ok... Non, c'est pas grave, on va aller voir c'est quoi ces nouvelles missions. Qu'est-ce que c'est justement, et voir ce qu'on peut en gagner. Ah ouais, la rue, c'est le chaos le plus complet. Ok.
juste pas imaginer ce que ces types pourraient faire d'ici là. Je vais m'en occuper. Ok, là on peut le faire en mode infiltration tranquille. Bah, c'est ce qu'on va faire. Toi là-bas. C'est quoi ça? Les dodos. On a combien là? Il y en avait un, il n'y en avait pas un juste en bas? Non. Ah si, il est là. Coucou, je panier. Non, non. Tout doux. Tout doux bijou. Là, ça va être en mode. Ouais, ça va. Calmos. Bonne nuit. Tant pis pour l'infiltration, il en reste pas beaucoup. Ils sont. Allez, hop là. Ah, il y a des vagues, ok. Prenez soin des nouveaux. Vous serez deux par couchette. Eh, ça s'arrête jamais. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux... Eh hey! Pourquoi je peux pas... Ouais. Là par contre, ça va être un peu chaud. Oui bah... Vous m'en direz tant. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Et ça fait nos affaires. Ils sont regroupés, mais pas en nombre suffisant pour être inattaquables. Surtout que c'est moi qui m'y colle. Allez, j'y vais. Oh, des renforts. Ça en fait un paquet de gars qui rêvent de retourner en prison. Tu vas te sentir passer.
Voilà. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Non. Bah ouais, grave. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Hop là. Non ! Le but c'est pas de tomber, c'est pas de tomber ! Attends, fous de la concentration, vraiment on va remonter là. Ouais, ça c'est super impressionnant, c'est super utile aussi. Oh, je l'ai pas vu celui-là. J'aurais pu largement l'éviter, mais... Normalement, c'est bon. Wow. Ah ouais, c'était chaud. C'était bien, bien tendu, cette petite... Mon point de défi, là, je l'ai pas volé. Vous pouvez envoyer l'équipe de nettoyage. Et dire aux habitants que leur beau dégât les attend. Bravo. Les choses sont assez compliquées dans cette ville sans qu'elle devienne une prison à ciel ouvert. Jetons de base 2. Cool. Spider-Man, les détenus du Raft ont refait surface. Et ils assiègent le commissariat. Mes hommes ont besoin de votre aide. Tout de suite. Rejoignez un point d'observation dans le centre et je vous expliquerai. Qui est en route? C'est Octavius? Non, deux de ses larmes. On est toujours à sa recherche. Pour être honnête, je suis pas rassuré. Le docteur doit être le super vilain le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Tenez bon, capitaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Crime prisonnier... Ça va me débloquer quoi, les crimes prisonniers? Alors, ce que j'ai besoin pour la tenue... C'est des jetons de défi. De défi, défi, défi. Là, apparemment, les compétences, c'est tout fait. Jetons de défi. Ça, c'est tout fait. Jetons de base, ok, je peux le prendre. Alors, jetons de défi, faut que je les économise. Je peux pas les utiliser. Ça me permettrait d'avoir le rayon de la bombe de la toile de ouf ou furieux, mais non. Non plus. Ça c'est jetons de crime et ça jetons de crime aussi. Ah ouais. Ouais, maintenant il faut vraiment que je me batte contre tout le monde. Même les agents de sable. Ouais, je commence à fatiguer. Mais vraiment. Oh, comment je me suis fait avoir comme un bleu. Là, je gagne quoi? Un jeton de crime. Ok. Crime prisonnier. Bon, ça me ferait très plaisir d'avoir ce costume ce soir, mais ça sera un petit peu en fait
comment dire, le to be continued pour demain. Il y a des trucs de partout, je sais pas si c'est moi qu'on vise ou quoi que ce soit, enfin bref, c'est quelque chose de ouf. Voilà, on va se quitter là, ça fait 4 heures qu'on est ensemble, je suis claqué, autant vous dire. On a eu beaucoup de monde, je remercie énormément, on a eu un pic à 56 personnes de viewers simultanés, et puis ça a duré pendant un bon moment, donc je vous remercie énormément tous ceux qui sont venus nous voir ce soir. Effectivement, c'était un live, mais complètement fou, ce jeu est complètement dingue. Bref, voilà, c'est juste énorme. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de nuit pour ceux qui sont encore là. Si vous passez sur un jeu, bon jeu. Nous on se retrouve dès demain sur Renegades. Je sais pas si on se retrouvera en journée, mais en tout cas à partir de 21h on retrouve Akeru qui va faire Zone of the Enders 2 en mode hyper difficile, compliqué, de la mort qui tue tout. Je sais plus c'est quoi le mode, mais c'est spectaculaire ou un truc comme ça. Enfin, vous allez voir du skill, je vous conseille d'être là. Et puis on se retrouvera après pour faire la suite là-dessus sur Spider-Man. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Allez, ciao, bye.